Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente puisqu'il s'agit d'un tag. Alors voilà, aujourd'hui c'est un tag Do I have that book? Donc est-ce que j'ai ce livre que j'avais repéré chez Le Souffle des mots qui elle je crois l'avait repéré chez Christiane Tran. Donc ça fait vraiment des mois que j'ai envie de le faire, j'avais commencé à le préparer avant la naissance de notre fille, donc ça fait quasiment 6 mois qu'il est dans la réserve, et j'ai repéré les livres avant de tourner cette vidéo, sinon ça allait prendre 15 ans. Donc c'est parti. Première question, est-ce que j'ai un livre qui a les pages abîmées? Ça, si je ne me trompe pas, il est là. Donc il s'agit du roman d'une princesse, donc il n'est pas tout jeune, hein. Je l'ai lu quand j'étais ado, et ça restera gravé à vie dans ma tête. Ça se verra peut-être si ça se voit. J'étais partie en vacances avec ma meilleure amie et on est allé avec des amis à elle à la piscine, et il y en a un qui a trouvé malin de m'éclabousser alors que j'étais en train de lire. J'ai pas été très contente et je crois qu'il l'a senti. Il m'a trouvé un peu rabat-joie, mais c'est pas grave, on n'abîme pas les bouquins. Du coup voilà, ça se voit surtout à l'extérieur. Voilà, vous voyez la marque ici, voilà, les pages sont gondolées. Donc pour moi le livre il est abîmé, mais c'est pas grave, il a une histoire. On va passer là-dessus. Ensuite, est-ce que j'ai un livre qui a 3 personnes ou plus sur la couverture? Oui. J'étais bien comme les cités perdues maintenant. Voilà, parce que j'ai noté les livres, mais pas l'endroit où je les ai mis. Donc voilà, je fais des têtes. Guerre des cités perdues, c'est le tome 7. J'attends définitivement la suite. Mais voilà, 3 personnages. On y est. Est-ce que j'ai un livre qui est basé sur une autre fiction? Oui. Je ne l'ai pas dans la bibliothèque actuellement parce que je l'ai prêté, mais il s'agit de Cinder, le tome 1 des Chroniques Lunaires de Marissa Meyer, qui est donc une réécriture de Cendrillon. 4, qui a un titre de 10 lettres. Là, j'avais galéré à trouver. Mais j'avais réussi à trouver Blackmore, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes! Un livre qui a un titre qui commence et se termine par la même lettre. Alors ça, je l'ai noté aussi. Rendez-vous au Café du Bonheur, commence par un R, termine par un R, de Lucy Diamond, aux éditions Charleston Poche. Un très bon livre d'ailleurs. Est-ce que j'ai un livre de poche? Ça, je pense que déjà vous pouvez en apercevoir d'ici. Donc on va piocher le premier qui vient. Orgueil et préjugé de Jane Austen, j'en ai plein des poches. Un livre par un auteur qui utilise un autre nom d'écriture. Alors ça, attendez, je sais très bien, voilà, on va prendre celui-là. Erin Hunter, donc La guerre des clans, ça c'est le livre 2 du premier cycle, il me semble. Erin Hunter, il me semble que c'est un pseudo en fait, ce n'est pas le vrai nom de l'auteur, et je crois même qu'elles sont plusieurs à écrire en dessous, donc je vous remettrai peut-être les infos ici si je ne les ai pas, mais je sais que c'est un pseudo, donc... Est-ce que j'ai un livre qui a le titre, qui est le nom d'un personnage dans le titre? Oui. Il y a Orphan de Gaëlle Tertrais, donc le tome 1 de Secret du Bracelet aux éditions Emmanuel Jeunesse, qui est un très très bon jeunesse. Et c'est pour ça que j'en profite pour leur faire de la pub, parce que j'avais aussi Eragon de Christopher Paolini. Est-ce que j'ai un livre qui a 2 cartes dedans? Alors, ça a été compliqué à trouver, mais justement en parlant de Christopher Paolini, j'ai trouvé Idéaliste. Donc ça c'est le tome 2, mais en fait dedans, je vais essayer de les retrouver. Hop 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 hop. Je sais, il y a 2 cartes. Mais il y a des cartes du ciel, on s'en fout si c'est pas des cartes. Il y a des cartes du ciel, je suis sûre qu'il y a des cartes du ciel. Ta fille qui va pas les retrouver. Et ben voilà. J'ai 2 cartes ici. C'est ça. Enfin, ça, ouais, y en a deux points de vue différents, mais si vous voulez, on peut retrouver une autre. Et ben non. Il faut que je trouve dans le tome 1. Mais quelle frustration! Qui pensait faire pas trop long. Je vais réveiller ma fille qui brûle là. Donc, une. Alors, ok, alors là, j'ai des trucs. J'ai des trucs, mais c'est pas ce que je veux. Bon, et eh bien voilà, on dirait qu'il y en a qu'une à chaque fois, c'est pas grave, on dirait qu'elle est en 2. J'étais persuadée qu'il y en avait 2. Voilà, c'est les seuls que j'ai, je crois, en double. Ou alors peut-être que je les ai mis en numérique, sur d'autres livres. Tant pis. Non, Charlène, c'est pas sérieux tout ça. Un livre qui est devenu une série, donc je ne vais pas me gêner, je vais prendre un classique. Les 3 mousquetaires, il y a eu beaucoup de films, beaucoup de trucs là-dessus, voilà, de Dumas. Et la meilleure à mon sens, c'est The Musketeers. Je vous remettrai la date de diffusion si vous voulez dans la barre d'infos, mais qui a été un plaisir à regarder pour moi, que voilà. Un livre qui est écrit par quelqu'un connu pour autre chose que l'écriture. Oui, ça aussi j'ai.
Il s'agit du manga Qui est qui de Kevin Tran et Fanny Antini, puisque Kevin Tran, je l'ai connu grâce à sa chaîne YouTube. Donc en fait, voilà, il est d'abord connu pour sa chaîne YouTube et ensuite il s'est lancé dans son rêve d'écrire un manga. Là par contre, 12 à une horloge sur la couverture. J'ai galéré, j'ai fait presque toutes les couvertures de la bibliothèque et en fait, je n'en ai pas sous la main. Et ça m'est revenu après, j'ai un livre que pareil, j'ai prêté, que je n'ai pas revu depuis plus d'une année, il me semble. Il s'agit de Prenez soin de votre âme de Jean-Guilhem Xéry. Il me semble qu'il y a une petite horloge sur la couverture et ça doit être la seule que j'ai actuellement avec une horloge. On dirait pas, mais en fait, il n'y a pas tant d'horloge que ça sur le livre. Un livre de poésie, je dois en avoir un. Un livre qu'on nous a offert à la procure. Reste là, toi. Le sommet de la route et l'ombre de la croix, six poètes chrétiens du XXe siècle. Avec Charles Péguy, Paul Claudel, Francis Jam, Marie Noël, Patrice de la Tour du Pin et Jean Grosjean. Ça doit être un des rares livres de poésie que j'ai dans ma bibliothèque parce que je ne suis pas très très fan de poésie. Hélas. Un livre avec la mention d'un prix dessus. La mention d'un prix dessus. Je l'avais trouvé. Il s'agit de... d'un de mes coups de cœur d'ailleurs. Il s'agit de La vie ne fait pas le moineau de Zoé Brisby, qui a eu le prix des lecteurs sélection 2020. 15. Un livre dont l'auteur a les mêmes initiales que moi. Alors là, je vous raconte même pas comment on a galéré avec mon mari à l'époque. Effectivement, j'étais enceinte jusqu'aux dents. Il m'a aidé à chercher parce que j'en pouvais plus. Mais on a quand même réussi à trouver. On a trouvé Claudia Gray, Charlène Gros-Piron. Voilà. CG, donc A Thousand Pieces of You. Cette couverture est magnifique et cette série était vraiment hyper intéressante aussi, c'est un peu de la SF, c'était génial. Donc voilà, un livre que j'ai lu il y a longtemps mais qui m'a bien sauvé la mise pour ce tag. Un livre de nouvelles, alors ça pareil, il est là. Je n'ai pas beaucoup de livres de nouvelles mais heureusement j'en ai certains. J'ai le hors-série de la série Croissant de lune de Caroline Daniel, donc Les secrets, qui se lit à la fin des 3 tomes. Et c'est un recueil de nouvelles pour compléter la série, enfin la trilogie même, donc voilà. Puisque j'ai un livre qui fait entre 500 et 510 pages. Alors ça c'était hier, pendant la sieste de ma fille, je me suis cassée la tête à faire tous les livres quasiment de bibliothèque, à râler, parce que souvent j'étais à 520, 514. Mais j'ai réussi à trouver, et j'ai trouvé Aurora Squad, tome 2 de J. Christophe et Amy Kaufman, encore une super série. Et qu'est-ce que je vois ? Ici, on est à 504, 505. Peut-être qu'avec les remerciements, on est à 510 tout pile. Et un livre qui est devenu un film. Donc, je pourrais vous représenter les Trois Mousquetaires, mais je vais vous présenter un livre qui est en cours de... dont le film est en cours de tournage. Il s'agit de Complètement cramé de Gilles Le Gardinier chez Fleuve Noir. Et j'ai vraiment hâte parce que c'est mon préféré de chez Gilles Le Gardinier. Donc, je suis... J'ai tellement hâte de le voir en film, ce livre. Un roman graphique. Il est où ? Ah voilà. On va en profiter pour faire de la pub. À Claire SDC avec Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ou pas. Chez Mam, qui est un super roman graphique sur ce que Claire SDC a vécu avec son mari quand ils ont eu la difficulté à avoir leur fille. Et voilà, c'est pour parler de tout ça, donc c'est pour parler de l'espérance d'enfant, et il est très très bien fait, très beau, très doux, et très vrai, très percutant aussi, donc il faut le lire. Et un livre écrit à 80, et du coup je vais aussi là, par ici. Il s'agit de Illuminae, écrit aussi par Amy Kaufman et J. Christophe chez Casterman. Et c'est franchement, cette série elle est géniale. Si vous ne l'avez pas lue et que vous craignez un peu la science-fiction mais vous voulez un support original, cette série elle est extraordinaire. Je l'ai tellement, tellement aimée. Ça a été une extraordinaire surprise. Donc vraiment, il faut lire Illuminae. Et voilà, ce sera tout pour cette nouvelle vidéo. C'était un petit tag pour changer un petit peu. J'avais vraiment envie de vous le faire depuis un bon moment. Donc je suis contente. Je vous ai présenté tout ça. J'aurais peut-être d'autres livres encore que j'aurais pu choisir pour cette sélection. Mais voilà, n'hésitez pas aussi à le faire, si même en commentaire, à me citer le livre que vous avez. Et puis voilà, c'est toujours avec plaisir que je vous lis. Je vous retrouve la semaine prochaine peut-être pour un tour de bibliothèque, parce que pour l'instant je n'ai pas trop... Enfin, j'ai quelques idées, mais elles vont me demander un petit peu de travail derrière. Donc peut-être que la semaine prochaine je vous fais faire une visite guidée de ma bibliothèque. Ce ne sera pas très long, mais comme ça vous pourrez voir un petit peu tout ce qui compose les étagères qui sont derrière moi. Et donc vous ne voyez vraiment aucune partie, puisqu'il y en a 4 comme ça. Voilà.
Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine. Je vous remercie encore d'être là sur la chaîne et à très très bientôt. Faites de doux rêves, qu'ils soient en mots ou non.